Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur FTS 2, encore une fois cette semaine. Alors, maman devait avoir FTS 17 mardi, vous n'avez pas pu, et FTS 2, donc vous aurez dû FTS 2 quand même. Parce que mon logiciel m'a pas enregistré les fichiers vidéo, j'ai dû recommencer, donc là vous aurez qu'une vidéo cette semaine, c'est tout, et pas deux. Donc voilà, j'en suis vraiment navré. Et merci pour le live. Pour le live, on a atteint les 21 abonnés. Je vous en remercie tous ceux qui sont venus sur le live. Discuter, parler, etc. C'était très sympa. Donc là, on va partir en direction de l'Allemagne, je crois. De l'Allemagne. En transport de l'emballage plastique 9 tonnes pour Dresden, Robben. Vers l'entreprise et affaires, à logistique. On va gagner 24 000 euros. Je suis toujours avec mon camion, il a 34 000 km, mais je vais tester la version S, c'est pour ça que celui-là je vais le donner à un chauffeur. Là c'est la version R. Voilà. Et je vais tester la version S pour voir s'il y a une différence ou pas. Mais mon camion que je vais garder, ça sera le même, le camion S que vous verrez dans la prochaine vidéo, mais qui sera en 6x4 bientôt. Et je vous en dis pas plus des surprises que ce que je vais lui en rajouter des trucs. Voilà. Mais on roulera avec le S normal. Peut-être dans les prochaines vidéos, on verra bien. Parce que je pense pouvoir acheter le camion bien tout de suite. J'ai 100 000. Le camion il coûte, je sais pas combien d'euros. Je sais combien il coûte 100 000 des malades. Et là, plus la cargaison, ça va nous coûter 25 000 euros presque. Donc, on est bénéfique. Plus mes ouvriers qui travaillent, donc ils gagnent il est pas mal. Je pense qu'on va s'acheter très vite le camion. Vous verrez très vite le S730 chevaux. Donc voilà. Avec à peu près les mêmes intérieurs, le même extérieur, mais sauf voilà. La couleur qui va changer, c'est tout du camion. Donc on se met en intérieur. On démarre le camion. Voilà. On a 737 km. Je l'avais fait en live, j'ai commencé. Mais voilà. J'espère que le son est bon. Voilà, j'attendais que ça charge. Donc voilà, là on est parti d'Amsterdam, direction Dresden. Donc on a pas mal de villes à traverser, quelques sorties à prendre. C'est dur de... Ah, regardons ça. Allez, on y va. Dites-moi dans les commentaires si le son de la musique est bien. Donc là c'est parti. Donc voilà. Donc vous aurez que cette vidéo cette semaine. Ah, je suis mieux fluide là maintenant. Encore les feux, on va aller que 6h du matin, hein. On va mettre les petites veilleuses. C'est juste quand je mets les feux que c'est des ralentissements. Bon, il n'y a pas besoin. Voilà. On attend vraiment pas le. On n'entend pas vraiment. Dites-moi dans les commentaires si la musique est pas trop forte.
ceux qui jouent sur ETS2, parce que je vois des vidéos de des vidéos de Michael Fer, des routiers, voilà. Et il apprend comment on fait pour doubler. Là, je vais doubler un camion. Malheureusement, et j'ai oublié le rétro. C'est pas ça. Voilà, j'ai oublié le rétro. Donc voilà. Bon, ça va, on entend pas trop la musique. On entend à peine, mais voilà. Bon, je pensais le doubler, mais non. Donc, une petite vidéo de 30 minutes, voilà. On sera peut-être pas au bout. Voilà, là, on est direction. D'Allemagne. Bon. Et j'ai bien évolué, j'évolue petit à petit en faisant des kilomètres. Là, on roule à 80, limite à 80 pour nous. Désolé, la voiture de flic, hein. Donc là, on transporte un conteneur direction en Allemagne. Mon camion restera basique. Vous voyez, il a 34 600. Voilà, donc on avance petit à petit en faisant des kilomètres. Non, elle s'est pas marquée encore. On est loin de se regarder. Il nous reste 650 km. Hein? Changement de voie. Là, il me dit 80 dans le virage, donc là, j'irai pas. Hein. Je suis à 50 déjà, donc. Parce que celui-là, le camion, je vais le laisser à un ouvrier. Parce qu'ils ont tous des camions qui ont déjà des kilomètres. Hein. Ils n'ont pas un camion tout neuf.
On va se mettre sur la voie la plus à gauche, plus à droite. Sauf changement de direction. La vidéo, je la tourne lundi, voilà, pour moi, mais au lieu du dimanche, hein, comme c'était prévu. Du coup, vous la serez samedi. Bah, elle sera prête pour samedi, vous inquiétez pas. J'ai j'ai 4 jours pour la préparer. 4 jours pour qu'elle soit en ligne, donc ça va être bien pour moi. Il me dit 80 alors qu'il y en a qui roulent vite. Hein. On va faire deux petits réglages de paramètres. Je vois que. Alors. C'est N d'accord. Comment on dit ? C'est ce que je voulais faire. Alors, à nouveau. Allez, où la touche entrée?
Modifier, masquer. Caméra suivante. Tourner la caméra avec la souris. Sauvegarde. C'est quoi ça? En gros, je te signe. Réinitialiser mes touches. Voilà. Donc, entrée, etc. Donc, voilà, ça c'est bon. Menu, donc, on ne touche rien. Zoom intérieur. Alors c'est la touche c'est ça. Régulateur de vitesse, c'est C. Pour l'augmenter, c'est ça. Et pour le diminuer, c'est ça. Désolé les gens, c'est un peu minute, je règle mes trucs. Feu de route, c'est ça. Essuie gaz. Gyro, ça reste comme ça. Feu de détresse. Clignotant droit, c'est ça. Clignotant gauche, c'est ça. Les cieux, je sais pas. D'accord, ça s'arrête. Et non, ça va être l'arrière, c'est pas ça. C'est U pour augmenter et diminuer, c'est ça. Ouais, alors diminution. M, du coup. Baisser frein moteur. Démarrage E. Combinateur de boîte de vitesse auto et séquentiel, c'est cette touche là. C'est pas ça. Inférieur, c'est ça. Supérieur, c'est ça. Voilà. Et après, c'est tout. Voilà. Là, je vais déboîter. Donc voilà, et si vous voulez qu'on fasse le point, point des véhicules, point de l'entreprise, il n'y a pas de problème.
d'accord. Le retenir, les appels. On va faire ça. Ça, c'est le klaxon. Et ça, c'est quand j'ai des trompes. On arrive, on change le nom de voix. Non, ça affiche pas la ville encore. On est loin, hein, quand même. Voilà, quand là je vais doubler un camion, ben, je mets mon clignotant à droite et je le laisse, comme disait Mickaël, hein, qui fait des vidéos blog sur comment dire, routier, sur les routes, etc. Voilà, là je double, je laisse mon clignotant pour avertir les autres que je vais doubler, que je vais continuer à doubler. Là, je me rabatte. Et après, je fais droite-gauche avec mon clignotant. Voilà. Je vous donne des petits trucs et astuces que vous pouvez faire sur ETS2. On va essayer de trouver une aire de repos qu'on puisse s'arrêter. On va changer de voie très tôt parce que je vais tout droit. Je suis sûr que vous en foutez. Je vois que les vidéos TS2 ont du mal à reprendre depuis que j'ai relancé un peu la série. TS2, mais voilà, donc voilà.
Voilà. On va s'arrêter ici, hein. Ça fait 26 minutes de vidéo. On va enlever. Là, je laisse ralentir mon tracteur. Je mets une... J'active. J'active le frein moteur. Je vais faire le plein du camtar, même si je suis à moitié de carburant, toujours penser à faire le plein. Ah, il est 1,14€ ici. Bon, nous, on va se laisser ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire positif ou négatif. N'hésitez pas à partager la vidéo. Nous, on se retrouvera peut-être pour une vidéo FS17, mais il y a encore mes lives avant. N'hésitez pas à venir sur mes lives, à vous abonner, à venir, voilà. N'hésitez pas à faire un don, voilà. N'hésitez pas à liker, voilà. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à tchuss tout le monde.